Vendredi 10 juillet 2020. Frères et sœurs, chers amis, nous disons l'Éternel merci une autre fois parce que les bails moi-même avoir opportunité pour nous rencontrer dans étude biblique là une autre fois. Donc toute gloire, tout honneur, c'est pour l'Éternel. Allons commencer par la prière. Cher Seigneur, cher Sauveur, cher Libérateur, maintenant une autre fois, présentez devant l'Éternel Papa dans occasion sa chère Père. Côté que l'Éternel Papa, nous vous remercions pour ce fait pour nous, parce que c'est vous-même, pas gagner l'autre encore Dieu Tout-Puissant. Dans le moment ça, l'Éternel Papa, nous l'a dit, frère, c'est mieux qu'il y dans mon Dieu Tout-Puissant. Et nous l'a dit, l'Éternel Papa, tous les employés de SOS, Dieu Tout-Puissant, tout dans mon l'Éternel. Nous l'a dit, c'est Rita, c'est Agathe, c'est Elmita, c'est Oulette, c'est Gertrude, c'est Sanglide, et Sanglida. Nous l'a dit également, Dieu Tout-Puissant, et ce Wilna, c'est Nancy, c'est Léonide, Dieu Tout-Puissant. Non, la Guinamo également, c'est Jocelyne, c'est François, c'est Christian, c'est Lyon, c'est Ouzita. Tout nan mon Dieu Tout-Puissant. Dans l'occasion ça l'Éternel Papa nous mandons répondre grâce dans la vie nous la guise Judeline Émile l'Éternel Papa frère c'est Thermi Émile nous la guise la famille Lestin Elisabeth Lestin Risley Lestin Lisbeth Lestin et nous la guise également l'Éternel Papa c'est Rémise et Auguste Namon Jude Abela Juliette Abela Jasmine Abela Julia Abela et Johnny Chesley Abela Sterling et Clermont Yataline Clermont Dieu Tout-Puissant Ansi Abela et Maga Margaret Abela non la guerre tout Namon Dieu Tout-Puissant dans moment ça la guerre toute branche termidoyo Namon Dieu Tout-Puissant et dans moment ça l'Éternel Clermita destiné dans mon Dieu Tout-Puissant, frère Boubé, Aristide Chessé, frère et sœur, pasteur Gérald Ulysse, et frère et sœur, Oni Barbélis, et d'ailleurs avec toute famille, nous la guérir tout dans mon sœur, et Jonas, et dans mon Dieu Tout-Puissant, et nous la guérir, frère Jonas également, l'Éternel de Jonas, nous la guérir dans mon moment ça, nous la guérir Yonid, Nicole, Michel-Ange, et Carrie, Jocelyn, Maurice, tout dans mon Dieu Tout-Puissant, dans le moment ça, notre Dieu, notre bon sauveur, cher Père, nous connaissons seul ou même pas gain l'autre encore, Dieu Tout-Puissant. Le jeune Wondi, cher Seigneur, nous la guéli dans mon, le jeune Wondi, Joseph, l'Éternel, Papa, nous la guéli, Paul et Paul Saint, et également dans mon, et la Marseillon, tout le monde ça, tout dans mon Dieu Tout-Puissant, Papa, maintenant, nous la guéli tout dans mon cher Seigneur, parce que nous rendons compte, c'est vous-même qui capable, tout est mis dans nos net, cher Seigneur, nous la guéli dans mon Dieu Tout-Puissant, dans l'occasion ça, l'Éternel, et parce que c'est vous qui gagnez la vie, c'est vous qui a fait tout bagaille l'Éternel c'est Margaret Abela nous la gué Félix Nerland samedi Sanita cher Seigneur nan mon Dieu Tout-Puissant notre ami notre frère Junior et Joseph frère Gladson frère oui Dieu Tout-Puissant nous la gué tout nan mon ingénieur Miguel tout nan mon Dieu Tout-Puissant nan moment ça l'Éternel Papa nous la gué également nan mon Dieu Tout-Puissant notre sœur et sœur Edouard et Chantal Dieu Tout-Puissant avec toute l'autre collaboratrice qui vient cap travailler avec nous la gué dans mon la gué toute trois natif toute employé camionnette dans mon Dieu Tout-Puissant dans moment ça cher Seigneur nous la gué sœur Marietta avec toute famille Dieu Tout-Puissant dans moment ça l'Éternel parce que nous connaissons cher Père c'est seul ou même pas là encore Mirland Veya Mirta Fortuna Gevlin Gédéon Linda Nelson Daftali Innocent et nous la guérons Lancia Innocent Dieu Tout-Puissant nous la guérons tout nan men ou et nous la guérons Kétia Fleurissin et nous la guérons l'Éternel Papa et Yves Innocent tout le monde ça nan mon cher Seigneur merci pour grâce ou merci pour amour. Chers frères et sœurs, chers amis, nous encore retournés. Nous sommes dans chapitre 20, c'est la notée. Nous avons discuté. Et nous allons passer dans la deuxième partie dans le chapitre là. Il est vrai que, et tant que nous avons toujours dit,
bagay la guerre yo pas trop intéressé non mais li mettre courir faut nous courir on faut nous courir passer sous yo comprendre faut nous courir passer sous yo comprendre alors et le siège des villes ça ou les sièges en réalité dans langage la guerre gen ça ou le verbe assiéger les ça c'est les que gonzon ou fait la guerre avec ou les fini ou camper devant ou moi cercle yo prendre les ça yo nous fait siège ou là on fait siège ou là et les ça ennemi en même ou praler craser ennemi normalement non pas praler rester trop sous ça mais en ouais quelques bagailles l'Éternel te dit dans ça à partir du verset 10 quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer tu lui offriras la paix. Vous entendez depuis là nous capable comprendre les pour y aller craser une série de côtés. Premièrement l'Éternel parler avec ouais aller offrir la paix. Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, tout le peuple s'y trouvera, te sera tributaire et asservi. Donc si zone nan wale a accepté, yo accepté la paix a et les consacrés là, ou a vini et réduit yo, y a bien asservi, les sa yo gon tribu pou yo paye. Alors là, di y a bien asservi, pa bin totalement esclave, paye ou la bin comme yon métropole pou yo. Il y a une tribu pour yo bailler une tribu pour yo bailler chaque année et comme ça qu'on fait ça mais si ville l'a pas accepté ça c'est verset 12 là si elle n'accepte pas la paix avec toi qu'elle veuille te faire la guerre alors tu la siégeras. Ouais verbe assiéger m'ta dit nous d'aller c'est l'air qu'on y a là ou qu'a encerclé ville là mais pour faire la guerre avec eux parce que yo pas accepté négociation yo pas accepté pour yo asservir yo pas accepté pour yo gon tribu pour yo payer les fini pour yo rete libre mais laisse ça ou a payer mettre zam sou yo normalement. Et verset 13 l'a dit après que l'Éternel bon Dieu l'a fin livré dans main et ville ça au tout mal yo ou doit touyer yo ça veut dire si yo accepte négociation son l'autre cas mais si yo pas accepte négociation yo fait la guerre et bien l'Éternel fin la guerre ville là dans mon fin la guerre zone là dans main tout mal qui t'était vivant tout garçon et pour touyer yo alors frères et sœurs nous comprenons bien depuis longtemps garçon toujours a mouri mal garçon toujours a mouri mal et na époque na vive là si non t'a dit que pas ta gain plus garçon mouri quoi non pas connait yo non pas connait par sexe non pas connait non t'a dit c'est peut-être na coronavirus là pas ta gain plus garçon qui t'a mouri non pas connait pourcentage là non pas connait même non pour un exemple banal comme ça pour nous dire mais après ça depuis ces événements de guerre bagaille bandit qui gagnent etc c'est toujours garçon qui toujours les premières victimes qui toujours victimes en plus grande quantité on prend toujours victime en plus grande quantité parce que c'est comme si ces garçons qui fait obstacle et bien yon l'autre ces garçons chercher pour détruire pour finir avec eux pour capable gain pied et dans ça y a faire et c'est pour gain domination pays a donc l'Éternel dit si pays a pas d'accord pour te négocier pour accepter et pour signer la paix yo d'accord pour goumen pito en ben wa gouma avec eux les l'Éternel fin la guerre pays a vide la quelconque nanmon les ça connait là tout mal yo a passé au fil de l'épée ça veut dire wa tuer mal yo parce que c'est eux même qui puis devant contester mais si tu alors mais tu prendras pour toi les femmes les enfants le bétail et tout ce qui sera de la ville tout son butin et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré alors là autant de yo diap tous les garçons yo mais timon yo madame yo bet toute richesse qui gagne y a prend yo ou bon ça yo y a prend yo yo pas détruit ça yo y a pé prend yo on prend et y a yo si c'est garçon y a touyer mais et fille yo
et timoun yo toute richesse qui gagne donc il apprend yo suivant ça l'Éternel dit et pour yo faire les livrer yo et amen. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations là. Donc nous comprenons bien l'Éternel dit c'est comme ça même pour agir à l'égard de eux-mêmes. Mais pas oublier tant qu'on te doule et condition c'est si yo pas d'accord pour négocier. Alors frères et sœurs, nous comprenons que si mon n'a vive la caille ou paraît pour venir craser, c'est pas facile l'a d'accord faire la paix avant pendant que l'elle fait la paix avant là, li connons pour la servir. Toute zone où est qui tombe sous domination grande puissance avec force ça fait et pas comme si on est que la guerre comme ça yo bay non et pas comme ça fait mais ça fait très souvent au lieu que moun yo ta accepté pour négocier yo entré dans guerre à moins que si yo te wè ki sakrive voisin déjà yo même yo la guerre yo et comme les gabayonites mais après ça et ça pas arrivé fait facile. Alors verset 16 l'a dit mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Vous entendez? Là sont l'autre bagaille. Ville et yo sou di la ka krasé là. C'est ville qui aux alentours oui, mais vraiment mon nous pral gain ou gain pour lutter avec toi et pas même négociation non et pas même bagaille non. L'Éternel dit dans les villes de ce peuple dont l'Éternel ton Dieu te donne, ça veut dire pays Canaan et pays là-bas pour héritage là ou pas quitter mon vivant là-dedans. Il dit pas gagner qui gain respiration pour quitter la dernière, c'est devré, car tu devras, ces peuples pas interdit. Pas oublier, m't'expliquer, non, ça veut dire, devré pas interdit. Ya, c'est détruit totalement. Les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc, tout le monde, ça, c'est pour devré, pas interdit, détruit, sous-tant de que, pays où t'as tombé dans guerre avec yon nation, tandis yon dit yap devro pas interdit. Ah non là, entité yon dit, espèce yon dit yap devro pas interdit. Ah. Bon, ça veut dire si yon moun ou ka sauvé, ou ka couru, te quitté frontière, on a imaginé que yon ta vin et devré Haïti pas interdit, yon dit yap touye tout garçon la dan. Mais là, si yon moun ou capable getan couru, filé non frontière, ou getan ale passon l'autre côté, ouais, ou ka fait ça. Après quoi, c'est miracle bon Dieu qui pou faut arrêter nan mitan l'autre peuple là et pour patatou on miracle bon Dieu seul qui ka fait ça. Parce que comme nous connaît, rien n'est impossible à Dieu pour tout le monde qui croit en lui-même. Mais dans le cas contraire, ah non, c'est devré pas interdit. Ouan, et non songer qui s'est arrivé les l'Éternel t'a demandé pour te délivrer pas interdit devant le petit haï et non songer que les moun yo pas d'accord et alors m'a dit pas moun yo les akan pas d'accord lui-même pour te délivrer toute bagaille pas interdit il t'a prêt ça t'a prêt coûter la vie à lui-même à madame ni à toute famille parce que nel parler de devoir pas interdit pas grand sortir de là on va aller un petit gens plus rapide parce que pas oublier et petit côté pour nous jeune petit les on apprend yo mais et bagaille la guerre non pas faire la guerre coup d'âme nous même. Alors et verset 18 l'a dit afin qu'il ne vous apprenne pas à imiter toutes les abominations qu'ils font dans leur, pour leur Dieu, et que vous ne pécherez point contre l'Éternel. Songez, notez d'où ça, et l'Éternel m'a débouté, vous n'avez pas interdit, et l'Éternel a un pouvoir, capacité pour le faire soumettre, oui, mais, bon problème qui arrivait, ces problèmes, et ils ont même
yo gen faux dieu yo ap servi, hein, yo gen idole yo faux, alors idole yo en quelque sorte yo ap servi, donc yo pa ka kite yo nan mitan Israël. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en important la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Donc, comprendre ça. L'Éternel dit là, souris vont côté ou assiéger, ou assiéger en zone, ça veut dire, ils ont campé en guerre avec zone là, ils ont pas dû détruire pieds boyaux, au contraire, pieds boyaux doivent servir de hommes de nourriture, hein. Yo pa de détruire yo parce que yo même yo pa la guerre avec yo. Cependant, il n'a pas ajouté ça. Cependant, si pied bois côté le situé a et li servi de refuge pour ennemi, son l'autre bagaille. On comprend? Et son l'autre bagaille s'il servi de refuge pour ennemi et combattre, en mêlé ça et c'est l'esprit qui a fait au détruire. Yo détruit pied bois et pas l'esprit parce que yo gon problème personnellement avec pied bois, c'est parce que problème nan yo gen, c'est directement yo gen problème nan avec comment peux-je dire, yo gen problème nan avec et avec moun yo. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Vous entendez? Bois pour quitter aussi pied bois, mango, avocat, hein, bagaille qu'a bay manger aussi yo pour quitter. Mais l'autre pied bois, tout vieux pied bois ou les nîmes, non ça, à ça t'habite-t-il? Ça aussi détruit yo. M'songe m'ta expliquer nos vieux pied bois ou les nîmes, non, que blanc. Font façon fait le vin dans pays d'Haïti depuis nan fin gouvernement Duvalier. Vieux pied bois ça c'est lui même qui vient détruire encore plus terre d'Haïti. Li prend li grandit facilement mais li sèche toute l'eau qui gagne. Si on pied bois bon côté là li sous ses pied bois appelé à être détruit. Li même l'a grandi, li même l'a planté on badje là ou gen ou gon pied bagay ça a vini tomber bol à caillou là, li suffit pour le gâter internet. Malheureusement population nou gen c'est population yo gen des bagay yo pa konnen le fini yo kite pied bois ça ou lever la caillou fait créer un paquet de destruction. Li détruit mango, détruit coco, détruit toute l'autre pied bois gain et li même la étan col. Et alors comme on était dit ça, me dit ça dans étude, me voulait reprendre pour qui ça yo utiliser nîmes nan pied bois ça ou les nîmes nan que nous qui semble avec lila délin pied bois nous te alors délin nous te gain longtemps alors yo les lila tout et nîmes nan en ben c'est côté marécageuse, côté gampil de l'eau, yo besoin détruire de l'eau, yo détruit marécage là, les fin yo vini yo planter pied bois ça là dedans. Koul fin sécher de l'eau, li même yo détruit tout, yo prendre fait charbon, faire l'autre bagaille à bois, yo détruit parce que c'est pour une raison bien déterminée li là. Mais non même pas manque d'éducation. Non pas comme ça, non n'est qui planté au tout côté, le fini le non planté au tout côté où est c'est et yo pa gen manger la donne, yo pa gen avantage ça ba ou seulement et bois et a bay sou ta fait meuble, c'est seulement ça mais yo détruit depuis ces bagages pour moun ta manger. On pied mango là au détruit, on pied ko sol là au détruit, on pied zaboka là au détruit parce que côté de loyer faut qu'il prend de l'eau te mettant dans l'autre pied bois c'est pour râler de l'eau pour prendre de l'eau les fini même pour y a ouvert et en plus de cela même les constructions où te mettent un gros sol caillou il a pété sol caillou là craser caillou là bas où
Ah ben, nous comprenons bien. Ça veut dire que il y a des bagages faut nous chercher qu'on est yo. Et l'Éternel, moi ça c'est ajouter m'ajouter pour nous, il faut essayer parce que nous avons toute catégorie monde qui attend des études là et faut que yo connaît, faut que yo connaît bag yo connaît bay ça. Même l'autre non l'autre pays, on sous gado ouais, pied bois ça les nina et au ballon on relé lila tout dans pays non. Ah ben ouais pied bois ça là pour ouvert col bon la caillou. Si gon façon pour détruire li parce que sol kay la l'el rivon lè et la tellement gonflé li même nan terre la pété sol kay la. Alors li important pour gagner toute information, c'est pour ça n'a fait travail là, non pas venir seulement pour nous bon bagaille pour aller dans ciel, mais pendant ou vie sous la terre gain bagaille tout ou besoin qu'on ait. Alors dernier ça noté ouais là dans texte là yo t'a dit nous là yo dit nous mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et à construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre. Vous comprenez ça, me l'ai dit, ça, ça, dit là, c'est ça, me l'ai dit tout à l'heure, vous l'ai dit, c'est de, si pied bois, pas bay manger, mais j'en y a, li ka servi de refuge, là, vous dit, en construire des retranchements contre la ville, que tu fais la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Ah ben les comme ça pied bras ça pied bras ou à détruire là ou à détruire parce que si côté lié à l'ica bail problème ou à détruire parce que laisse ça l'ica fait et ennemi à réfugié bien au contraire leur couper pied bras ça mais mourir doit bloquer route là même pour ennemi à pas passer. Donc là pas oublier son cadre la guerre et soit fait la guerre à l'autre nation comme Israël t'es qu'on fait la guerre à l'autre nation mais non même et non pas gagner ça sous contenant non pas gagner domaine ça sous contenant à faire la guerre avec l'autre nation. Et des fois moi même poser tête moi question si pays non t'est arrivé dans la guerre t'arrivé dans la guerre yo t'a mandé pour prendre chien garçon jeune femme parce que ordinairement c'est moun ça yo qu'on prend pour faire la guerre ou mando qui ça ou t'a posé des questions mais qui ça pays Haïti non qui ça monsieur cap dirige Haïti non pour t'a venir derrière pour ramasser jeune femme jeune garçon pour voyer dans la guerre. Ordinairement depuis gain la guerre dans pays dirigeant yo gain droit pour faire ça mais faut être tout qui ça t'a utile population, c'est eux même qui viennent millionnaires chaque jour, il y a botté l'argent et par contre comme on t'a dit il y a botté l'argent pour aller cirer mais il y a pas rien en faveur de la population qui a passé misère. Donc c'est très important. Nous venons à un moment pour nous finir, mes frères et sœurs. C'est 36 76 58 73 41 20 74 33 que l'Éternel le Dieu de grâce qui était avec nous.